Jean-Pierre Casacoli, 25 ans d'expérience au service des rockstars, dirige les techniciens de la tournée, les Rollies. Paul Cummings, véritable général en campagne, c'est sur lui que tout repose. Enfin, le créateur, l'âme de Dire Straits, Mark Knopfler, ancien prof devenu guitariste au doigt d'or. Dire Straits joue depuis près de 10 ans à guichet fermé, mais cette fois, ce groupe de 9 musiciens anglais a mis la barre au plus haut, une méga tournée de 2 ans pour faire entendre sa musique électrique à toute la planète. 2 ans passés sans interruption ou presque, de la scène à l'avion, puis de la limousine à l'hôtel, enfin de l'hôtel à la scène. Le mouvement perpétuel. Et pour assurer cela, toute une armée de techniciens, 70 spécialistes du son, des lumières et de tous les aspects d'un spectacle. Dire Straits, au-delà de la musique, c'est une cascade de records qui donne le vertige. 12 camions remorques de 38 tonnes pour le matériel et le confort, l'un simplement chargé de bière anglaise pour que ces 24 mois de voyage ne soient pas trop dépaysants. Encore plus impressionnant, les chiffres concernant les recettes et les dépenses. La tournée doit coûter 1,4 milliard. On y attend au total 7 millions de spectateurs. Exemple, au cours des 7 soirées que Dire Straits vient donner à Paris-Bercy, ils toucheront plus de 100 000 personnes. Les places sont vendues depuis 4 mois. On peut arrêter là la litanie, sans oublier quand même que l'on peut traduire Dire Straits en français par raid fauché. Ça valait le coup en tout cas d'aller voir comment fonctionne cette organisation géante et pour cela 24 heures au sein de la machine Dire Straits s'imposer. Condamné à la démolition, cet immeuble de la rue de Charenton abrite une dizaine de jeunes qui travaillent sur les concerts rock à Paris. Pierre a dormi 2 heures cette nuit. Hier, il travaillait sur un spectacle à Pigalle et ce soir, il doit démonter la scène d'un concert rock au Zénith. Ce matin, Pierre et les Rodies de la rue de Charenton ont rendez-vous à Bercy pour monter Dire Straits. De David Bowie à Peter Gabriel, en passant par Lenny Kravitz, Xavier a déjà occupé toutes les fonctions qu'un roadie peut remplir sur une tournée. On voulait voir un petit coup de... en 2 minutes, l'explication de ce que c'est le métier. Dépasse tout ce qu'on a fait depuis longtemps, tout et n'importe quoi. Genre, on rôde sur certains trucs, chauffeur sur d'autres trucs, régisseur de plateau, général. Il y a tout là-dedans, tout ce qu'on peut faire, ou presque. Il y a encore beaucoup de choses que j'ai pas fait et j'apprends encore. Et maintenant, on y va. Bah, il va être l'heure. Jean-Pierre Casacoli, 45 ans, travaille pour Corrida, l'entreprise parisienne chargée d'organiser la tournée française de Dire Straits. Jean-Pierre travaille dans le métier depuis 25 ans. C'est avec le groupe de hard rock Scorpion qu'il a inauguré Bercy au milieu des années 80. Sur ses concerts parisiens, il gère une 60aine de roadies en coordination avec l'équipe britannique qui accompagne le groupe sur l'ensemble de la tournée mondiale. Que t'as oublié dans le bus? Just, oui. Oh, made my trousers off. Morning. How are you? I'm fine. And you? The best girl of the whole world. Yeah, yeah, yeah. Just say that. On y va? Ciao. C'est par là que ça se passe. Les 12 semi-remorques sont arrivés de Grenoble dans la nuit.
500 tonnes de matériel suivent le groupe sur toutes les étapes de la tournée, deux fois plus pour les concerts en plein air. Démarrée à Dublin il y a 9 mois, la tournée traverse pour la deuxième fois l'Europe après être passée par les États-Unis, le Canada et l'Australie. Ce soir, Dire Straits joue pour la 122e fois depuis le début du tour, toujours à guichet fermé. À 30 mètres du sol, sur la charpente de Bercy, les techniciens travaillent en rappel pour accrocher les chaînes qui vont permettre de hisser 40 tonnes de matériel, projecteurs et enceintes pour le concert de ce soir. Le but du jeu, eh ben c'est on va grimper des moteurs qui sont attachés à des élingues. Les élingues vont servir à accrocher sur les IPN. Et les moteurs vont servir à accrocher un trust. Le trust, c'est pour la lumière. Et après, on va accrocher le son. Et le son, c'est accroché sur des bumpers. Voilà. Il y a à peu près 30 moteurs pour le light et 10 pour le son. C'est toi. Ouais, c'est 2 tonnes. Auteur, compositeur, interprète et producteur, Mark Knopfler est à 42 ans le fondateur de Dire Straits. Avec son frère David et son ami John Isley, il a démarré il y a 15 ans dans un appartement d'une banlieue déshéritée du sud de Londres. À l'époque, Red Fauché, Mark Knopfler est aujourd'hui l'un des musiciens les plus respectés au monde. Paul Cummings, 38 ans, est le manager de Dire Straits. Avec Damage, sa maison de production basée à Londres, Paul Cummings gère tous les intérêts financiers du groupe depuis ses débuts. Ancien manager de tournée, Paul a commencé dans le métier comme vendeur chez un disquaire londonien. Paul Cummings retrouve Tony Wiggins, engagé pour gérer la tournée sur le terrain. C'est à Paris qu'ils doivent se mettre d'accord avec le producteur du film qui sera tourné pendant les concerts du groupe en Espagne. How many people are you got in there anyway? Yeah, fuck you guys. I was giving wake up calls while you were both still in high school. How come we got it? What I used to love was Neil Sean, the guitarist. Because we were a very promotion-oriented journey, right? And it worked. And every time, every in-store, everyone, how come we gotta do this shit, man? And so finally, after about 5-6 years of huge success, multi-million, I mean, the guy's very well, I turned to him, and he said, how come we gotta do this shit? I turned to him, is making you a multi-millionaire a prepossessing enough reason? And he looks at me like, what's prepossessing? Okay, so go ahead, do your meeting. We'll see you, Bercy. Okay, where's the team? And I'll pick you up in here. Straight through in here on the left. On the left. We'll see you there. On the left. On the left. We'll see you there. Okay. See you, man. See you later, Paul. Une vingtaine de techniciens sont chargés d'installer les 150 projecteurs télécommandés par ordinateur pendant le spectacle. Un matériel ultra sophistiqué, utilisé également pour les concerts de Madonna et des Rolling Stones. Hey,
En plus du montage de la scène, Jean-Pierre Casacoli doit également s'occuper des demandes d'invitation de dernière minute. Leur nombre est strictement limité, il en manque quelques-unes pour les responsables de énergie. C'est lui qui a envoyé un fax à qui? Le Carrier. Ah, mais Carrier m'a rien dit, je suis désolé. Après, on va l'appeler. Non, mais ça changera pas grand-chose. Ça va me retomber sur moi après. Tu as fait un deal avec Corrida, pas avec Dire Straits. Donc il va assumer, Olivier. Mais rien, il peut pas l'assumer, ça. Il ne peut pas. On va une solution. Ah ouais, il faut qu'on trouve une solution, mais la solution, on va la trouver comme on a trouvé une solution jusqu'à présent, quoi. Ça va me retomber sur la tronche à moi, qu'il va falloir que je te trouve quelque chose. Mais donc, ça veut dire le strict minimum. Dis-moi ce que ça va être le truc minimum, je vais faire ce que je peux faire. Moi, je suis pas là aujourd'hui, donc tu me comptes pas. Nicolas, Max, Jean-Paul. Comme c'est permanent, de toute façon, c'est au jour le jour. Et les deux auditrices Ça fait 5. Pourquoi on t'a besoin de ça? Que le public sera mieux, quoi. Si on pouvait l'avoir maintenant, c'est génial. Fin de la matinée, là. On n'est pas pressé, on te laisse un quart d'heure. Triste con. John Isley, 43 ans, est le bassiste et le cofondateur de Dire Straits. Un déjeuner a été organisé par leur maison de disques, Phonogram, pour faire le point sur la promotion du dernier titre issu de l'album. Le vidéoclip vient de sortir. I really do question the effectiveness of video. I really do. In most markets, for our audience. In America, it's a waste of time. In England, it's a waste of time. I can tell you that the quality of the video of Calling Her Elvis was a mega, mega plus for the marketing of the old project in this country. It has been in most markets. I mean, it has just worked very well. Because we've got to spend £450,000 every time we put a video. The idea was what they're saying really is exactly what we planned to do, which was to make the first video as different as possible from everything else that was on TV to draw attention to it. So that it wasn't like your normal, boring, you know, stand up there video. It was humorous. It was different. It was a breath of fresh air. Have you seen the video? He's coming to the Death Leopard. Yeah. Very good. It's fantastic for them. Really is. They're knocking the house down. Rocking Let's Rot or something. Let's Get Rot. Let's Get Rot. Let's get rot. Au dessert, remise à Paul Cummings d'un double disque de platine pour les 600 000 exemplaires du dernier album vendu en France. He says to be open because I don't know what's in it. Is it edible? Yeah. It's not edible. There's a second. Just a second. It's not the tart. Really? I have to open this. It's lots of bubble wrap. Oh, what a surprise! Yeah, it is a bit like part of the buzz. Has the music stopped? Oh, it's some art. Is it art? Oh, it is. Is it art? I haven't seen it. It is. It is art. Oh, wow. Oh, wow. That's amazing. Gosh, look at that. It's your side. That's not art. Email is art. Oh, wow. That's great. So you've broken it. Diamond Vision. Yeah, my CD's broken. That's wonderful. Thank you very much indeed, Paul. It's very kind of you. Thank you, Sarah. Thank you. Thanks, Michel. Thanks. Thanks, Leticia. Very kind of you. Thanks, Paul. Oh, thanks, John. He's on the record. Forgot. Who are you again, sir? Well, I'm this chap just down here. So oh, I see. That's you, is it? That's spiky great. Bit. Inconditionnel de Dire Straits, Frédéric, Eric et Philippe se sont rencontrés en échangeant des albums du groupe à une convention de disques.
Il existe aussi en format carré. Eric doit à tout prix vendre sa collection à un autre fan pour rembourser sa banque le lendemain. Il y a des choses très intéressantes. C'est dommage. Par contre, il y a des choses que j'ai déjà, parce que j'ai quand même pas mal de... Je dois avoir à peu près une cinquantaine de disques d'Air Straits. Ouais. Entre les 30... Mais c'est des pirates. Mais c'est des pirates. On en a acheté 45. Ouais. Ce que tu as acheté à Frédéric. Ce que j'ai acheté à Fred. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que le concert qu'on va voir ce soir, il existe déjà en pirate, enfin, pour la tournée d'octobre. Et oui, je l'ai. Philippe, il l'a déjà. C'est vrai. On est aussi de tour, ouais. Je l'ai dans la voiture. Ouais, il est bien. Intéressant. Donc on a déjà écouté le compact, le concert qu'on va voir. Il va falloir qu'on négocie aussi, hein. Faut voir. Alors celui-là, c'est le compact 10 le plus rare qui existe sur le marché. Il est sorti à 400 exemplaires en 85 et à 200 exemplaires en 86. C'est le premier compact disque single qui est sorti dans l'histoire du compact. Ouais, sur le marché. Ah, c'est celui-là ? Ouais, c'est celui-là. C'est un double collector. Et en plus, il est dédicacé. Et en plus, dédicacé par Marco et par Gay Thatcher, ouais. Le clavier. On avait le suite, bon. Il vaut très cher aussi. Pourquoi ? Celui-là ? Celui-là, oui. Ouais, celui-là. Il vaut très très cher. Bon. Alors tu me vends 4-5 ou tu me vends de l'eau ? 5005, ça va? Non, je pense qu'on s'arrêtera à 5000. 5250 et on sert la main. Non, moi j'étais à 4000. tu descends. Ouais, non, 5000, je crois que c'est. 5250, ça me fait payer la place pour ce soir. Sur les 80, il y en a 20 vraiment intéressants, mm-hmm. Une vingtaine, grosso modo. Donc je pense qu'on peut faire un 5000. T'es pas à 250 francs près? Non, tu vas me payer 4000, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Le Joy Tech Plus, c'est pas grave, ça m'intéresse. Pendant la tournée, Mark Knopfler et les 8 musiciens du groupe passent leur journée entre les palaces et les salles de concert. Entre chaque ville, le groupe voyage en jet privé. Départ pour Bercy, où doit avoir lieu la balance des sons. What's that place? Well, somebody told me. It's a shop in. It's not the Bastille, is it? Where's the Bastille? Ah. Is that the Bastille? I think he's in that car behind, isn't he? The Bastille. Vous êtes un grand Bastille, madame. Hi, Danny Cumming, Dire Straits. Is this city very important for your tour? No. Not really. Just like any other city, really. Except it's a pretty city. Except it's a pretty city. Which is making up time before we go to Nîmes. Look at ponds. It's a wonderful place. Yeah, it's fantastic being here. It's my favourite place. I'd like to live here. In Paris. What, right in this bridge? Why? What, in this car? Because I like the French carry-on, I like the life. 14 months, not too long for you and your family? Yeah, well, we see them. Our family is here now. Yeah, they're in Paris. Yes. Mm. It is too long, really. With the babies. It's too long, but it's your job, so what can you do? Okay, here we are. Bye-bye. Paul Cummings doit maintenant se mettre d'accord avec le producteur du film qui sera tourné pour les télévisions du monde entier pendant les concerts en Espagne. Des sommes considérables sont en jeu et chaque clause est négociée point par point. Hi, Pat. This, I was just saying to Van, this is gonna piss me off. What's that? This punitive deposit rate you got going here. That far in advance. Now, your capital expenditure is your capital expenditure. That, the way you run your business is the way... No. Let me have my little say here. That's the way you run your business. I buy my office. I don't say to the bank, give me my commission in advance because I've got to buy this office. That's just the way it is. That's my investment. Hey, if you can't do it, then you can't do it. Okay. I need a favor. I'm hurting. So if you can help me out, great. If you can't, I'm asking you to do me a favor. Well, but I will be on your cases so much that I will make your life's misery. I'm starting up 5 different tours at once, and
you know, I'm going to have to go to the bank and draw down against a credit line that I have to pay interest on. Yeah, but I have to pay interest on this if it's not in my bank account. Huh? It's the same thing for me. What you're saying is that I got to foot your bill. Paul, I'm just asking you to do it. No, but I'm just, but that's the way it is. Yeah, but you know, business is... You can't do it. I can't do it. Okay, fair enough. It's as simple as that. Pardon? It's for which player, this guitar? For Mark. What kind of guitar does he need? What kind of guitar does he need? It's an electric. This is his favourite guitar. The one he plays the most of. It's beautiful, isn't it? Yeah. We change the strings every day. Why? Oh, they get very dirty and worn out. So they need to be changed fresh, sharp, clean. Good tone. And it keeps me employed. So, running a bit late today, though. Pendant le réglage des lumières, Mark Knopfler et les 8 musiciens de Dire Straits font la balance des sons. Un réglage instrument par instrument qui permet d'harmoniser l'ensemble du groupe. Un travail d'autant plus minutieux que le concert de ce soir est enregistré pour le prochain album live. La légende de Dire Straits, c'est bien sûr son public qui l'a fait. Voici maintenant Virginie Mignon, 19 ans, lycéenne. Elle a gagné son ticket d'entrée à Bercy grâce à un concours de NRJ. Cette station de radio a pu retenir 1400 places. Virginie l'affirme, c'est le plus beau jour de sa vie. Le concours Énergie prévoit que la gagnante passe à l'antenne, assiste au concert dans les loges VIP et rencontre Dire Straits et peut-être même Mark Knopfler. Et Philippe n'en revient toujours pas. Ah non, c'est... Moi j'y suis pour rien, c'est Virginie qui a tout fait. Vous savez qu'après dans le backstage, je pense pas qu'on puisse rencontrer le groupe parce qu'il part tout de suite à la fin du concert. Dès que c'est terminé, il sort dans une voiture. Donc je pense pas que vous pourriez les voir. Je sais pas, j'ai téléphoné, mais bon, on va essayer, mais normalement ils partent tout de suite après. Bonsoir, et on commence par notre page musicale. Et tout de suite, nous recevons maintenant dans nos studios la grande gagnante de NRJ Music Tour,
qui ce soir va avoir le privilège d'aller voir les Dire Straits à Paris et qui ensuite ira visiter les coulisses et voir les backstage de Bercy. Virginie, bonsoir, tu as 18 ans, tu habites Saint-Germain-en-Laye. Est-ce la première fois que tu vas voir les Dire Straits en concert? Oui, c'est un grand événement. Eh bien, sache que tu vas tout voir de Bercy, puisque donc tu vas aller voir les backstage. Dis-moi, est-ce que Dire Straits, ça représente quoi pour toi? C'est un groupe mythique, une légende? Oui, exactement. C'est le retour de la bonne musique. Eh bien, écoute, j'ai à côté de moi Marc Scalia qui va te poser la question d'Energy Music Tour. Tu as devant toi une feuille, tu as deux questions. Il faut que tu nous poses la première question. C'est toi qui vas poser les questions aux auditeurs ce soir au 42-48-42-48 16-1-0-0-33. Ça dépend de vous appeler. C'est Virginie qui vous pose donc la question de sélection. Écoutez bien. Alors, on vous demande quel chanteur anglais participe à l'enregistrement du titre Money for Nothing des Dire Straits. Tout de suite au standard, et je vous repasse tout de suite Alexandre Elperrier pour le reste de l'actualité. Merci Virginie. Merci beaucoup Virginie, merci beaucoup Marc. Tout de suite, nous avons rendez-vous avec notre rubrique musicale. Les 7 concerts de Dire Straits sont complets depuis plusieurs mois. Philippe n'a pas pu trouver de place à temps et va donc devoir acheter un billet au marché noir. Le prix des places vendues ainsi peut atteindre parfois jusqu'à 4 fois la valeur du billet. Prix de l'entrée pour Dire Straits, 180 francs. Au marché noir, la cote du groupe oscille entre 250 et 300 francs. Tu n'arriveras pas à l'émission, t'achètes 250. Mais je la revends la mienne, mais bon. Moi aussi, je pensais de les revendre, mais ah bon, que d'autres. Mais ah bon, d'accord. Non, mais c'est les miennes qui voyaient les sourires comme un con, et après, il faut me l'arracher. Tu la vends combien, la tienne? J'en ai deux. Ah, une. Je t'en achète une, 250. Non, 500 balles les deux. Ah non, je n'ai besoin que d'une. Je vais vendre les deux, moi, ça me fait chier. Bah, je t'en prends une tout de suite, 250. Tout de suite. Maintenant, c'est toi qui vois, hein. T'es pas tout seul sur le marché là. C'est pas la question du marché. Non, mais je comprends bien, tu veux gagner le maximum, moi je veux l'acheter un minimum. Sans rien gagner du tout, hein. Il coûte 200 balles la place. Bah, 250, je l'achète, tout de suite. Allez, ça marche. Ouais, bah voilà, c'est magnifique. 240. Tiens, prends ça pour l'instant. Je te dois 10 francs. Attention, je ne montez pas les escaliers. 10 francs, et voilà, ils arrivent. Je répète, ne montez pas les escaliers pour l'entrée à l'enquête. Allez, tu me donnes la place. Sans monter les escaliers. Merci. Il y en a qu'une. Merci. Okay, merci. Bonne soirée. Très rapide. Merci. Et bonne soirée. Tu me sens mal maintenant. Ok. Pendant combien de temps là? Dans 30 secondes. Bon, préparez-vous les mecs là. Alors, ah ouais, ça y est, c'est bon, ça arrive, ça s'améliore. Ça va pas être triste. Ok, c'est parti, on est parti. Ça va arriver en courant. Les loges de Dire Straits abritent le groupe jusqu'à son entrée sur scène. Vestiaire, salon, salle de bain, tout est prévu. Paul Cummings doit présenter à Mark Knopfler une bande vidéo destinée à promouvoir le dernier produit Philips, la cassette compacte digitale. La firme hollandaise est le sponsor exclusif de Dire Straits depuis le lancement du compact disque il y a 10 ans. You can do it. It's an in-betweener, isn't it? It's an in-betweener. What it is, it's there. What they're using to launch DCC in cinema. Right.
My friends, I mean you. Yes, you. We are all interested in the future. Y'all ready for this? Some say that déjà vu is merely nostalgia for the future. Tomorrow we'll overwhelm us. How long is it? 6 minutes. But I said to him that, it, you know, with the sound up, it may be difficult to get people to listen my to it. Friend, so they should. Yeah, well, I mean, that's... But it's entertaining, yeah. I mean, memories in case... I must have wondered what the hell it is, but no, I don't think it matters. Reminiscence converted no, good, don't into it? Zeros and ones. Good. That and the biplanes? That and the biplanes, absolutely. And manipulation. En première partie de Dire Straits, le groupe de Détroit, Was Not Was. Have a good one, Dave. Right, yeah. Right, kick him, hit him hard. If you guys win, we're going to Shakey's. All right, buddy. Oh, Shakey's pizza. If you win. Yeah. Autorisé à passer derrière la scène, Virginie attend à la porte des loges la rencontre promise avec Dire Straits. Il y a des gens dans notre bureau qui ne peuvent pas y aller. Très très difficile. Ni au concert, ni en backstage. Il est rentré derrière, d'ailleurs, tu vois, il n'y a personne. Marc Knopfler reste invisible. Virginie ne peut rencontrer que deux des musiciens du groupe. C'est quoi ton prénom, Virginie. Virginie. Ils appellent, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils font pour gagner? Oui, c'est un concours sur Dire Straits, et donc on pose des questions sur le groupe. Questions, ouais, sur le groupe. Ils sont des gens très performants sur le groupe, qui connaissent bien le groupe, qui peuvent gagner. Good. Well, I hope you have a nice time. Yes, thank you very much. Okay, talk to you. See you later. Bye. Bye. J'ai le cœur qui bat très fort. Et puis, je sais pas, moi j'ai l'impression de pas être là vraiment, quoi. Guy and Alan. Guy and Alan. Yeah, but should I take up it?
Selon un rituel désormais parfaitement réglé, Mark Knopfler quitte sa loge une minute avant d'entrer sur scène. Where's your speaker? Oh no, don't do that. I've got to do it. Hi Don, how are you? My mate Don. Studio mobile installé à l'extérieur de la salle, Paul Cumming vient assister au début de l'enregistrement du concert. ...96 pistes, batterie, basse, guitare, synthétiseur, saxophone, tous les sons sont isolés avant d'être mixés plus tard. Le disque ne sortira que dans plusieurs mois. Okay.
Le bus Philips fait lui aussi partie de la tournée. Véritable vitrine ambulante, il accueille les VIP à chaque concert. Philips appartient en effet au groupe Polygram, qui possède Phonogram, la maison de disques de Dire Straits. Oh, it's the fucking band again. I can't concentrate now, what was I saying? A new hobby is easier. This is going to be great. The European tour is, I mean, it already started off, it's so great. Especially France, the shows have been fantastic. Phenomenal. Yeah, they really have. You know, they embrace their music here much more in Europe than they do in other territories generally. I mean, in America and, you know, even in England, they're not as enthusiastic. Right. Emmanuel, who works with the Philips French company, and I were discussing about the relationship between Phonogram and Philips to work together as a team to try and maximize the possibilities, advertising, marketing possibilities with the band coming through. And so that's really what it's about. And we just get in the way all the time. And as far as money's concerned? We got these great big screens. These huge, huge Nitstar screens, which Philips have kindly given to us, lent to us for our outdoor shows. And that's really, that's the nub of our deal. The screens are this big and the Philips logo is this big. But thank you, Paul. Isn't that right, Stephen? Philips are not allowed to say how much they invest, or? No, it's a rule of the company that we do not say what kind of money we spend, but you can see that from what we do here, that the investment is considerable, so to speak. The priority is to put on a great show. That's what it's about. And, you know, music is about carrying music to the people, whichever way you do it. You either play it live, if you can, to as many people as you can, or you put it on record or CD or soon DCC. I mean, I know it looks like it's a huge money spinner, but it's... it is. Oh, sorry. Say that's the way you do it. Play your guitar on your TV. That ain't working. That's the way you do it. Some money for nothing and your chicks for pee. Oh yeah, you got your money for nothing. Your chicks for pee. Money for nothing. Yeah, you get your chicks for pee. Chris on acid. Yeah, so two copies, him and his mom. Just one more date or something special? It was good. Yeah? Yeah. Good work. Harris.
ça. How was that then? That was good, actually. It was a good gig. Great, wasn't it? Yeah. Could you warm it up a bit, do you think, Philippe? Sorry. I'm a bit cold, actually. It's cold? Yeah, it's a bit cold. Was it a good gig? It was a good gig, yeah. It was a good gig. I think a little bit of nervousness because we were recording it tonight, but I think it was good. You were recording it? Yeah, I thought a little bit nervous. Yeah, a little bit. I think it was a bit of nervousness on the drums. A little bit. In places. Most of it was good, though. Everybody thought played very well tonight. It was great. You didn't get much of it. Well, I'm not surprised. But everybody played great actually tonight. Everybody played real good. Good. I really did. The audience on your latest treatment, how was that? Oh, wasn't it fantastic? Jesus. Just wonderful. I tell you, if nothing else, that's going to sound great. How on earth? That's not an easy lick. I know it isn't. Perfect. I know, no, perfect. Absolutely wonderful. From the start, too. I know, please. Again. They were louder than the PA out front. I know. Who the PA? But the thing is that once you start something like that going, everybody just picks up on it. Yeah. Great. But I love the way that they just slip in too. The timing is fantastic. That was good. Good game, mate. Yeah, it was good. Good game. Coût de la tournée, 1 milliard 400 millions de francs. Recette, 1 milliard 8. Le planning de la tournée est serré et les soirées s'achèvent vite. Car ce tour se transforme en marathon. Prévu pour durer jusqu'en septembre prochain, il a été prolongé d'un an. Avant de partir autour du monde, Mark Knopfler n'a donné qu'une seule consigne à son manager: suivre le soleil, quel que soit le pays traversé. I've got a cold. I do deal with that. Well, French antibiotics are very strong. The doctors have got all kinds of stuff in their bags. Well, it seems like very strong. I think they're stronger than they would be in England. Just powerful medicine and a spray. Is it tiring to tour for 2 years non-stop? All right. No, you've got to have a constitution like a truck, which I do. A very strong constitution helps. Yeah. Do you train for it? Yeah. I lift weights and I play a lot of tennis. What do you need, Barry? That band? I'll get it for you. Okay. So I'll bring it along in about 5, okay? Okay. Right. I'll be there. So this is a difficult bit, this is getting your door open. Do you miss your family sometimes when you go home by yourself? Yeah. Well, just something, yeah, I just have to get. You've really got to want to do it, you know. Just like you really want to make films, yeah. Yeah? Yeah. Well, I really want to do what I do. Like what? I do what I do. I'm a happy boy because I'm doing what I do best. You know? What is it worth doing 2 years long? Money or...? No. No, it's not. I never did anything for that. No, I do it because I love it, you know, and it's part of what you do. Playing live is a very important part of what you do. Well, you wouldn't do it if it wasn't. Well, I better go. All right. Good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night. Autre super production dont vous percerez tous les secrets grâce à 24 heures, Christophe Colomb. À l'occasion, en effet, du Festival de Cannes, un magazine spécial sur le tournage du film de Ridley Scott avec Gérard Depardieu en découvreur de l'Amérique. Cette production géante européenne sera l'un des événements de la prochaine rentrée cinématographique et grâce à 24 heures, vous aurez donc été au cœur de sa première aventure, sa réalisation.
Merci de votre attention et de votre fidélité et profitez bien de ces premiers jours du joli mois de mai. À bientôt.